te restaure, je te fortifie. Comme tu m'écoutes, je te relève de toute chute, je te fortifie. Je demande que le Seigneur lui-même descende pour mettre sa main sur toi, sur ton front. Mettez la main sur le front. Je restaure votre étoile, je restaure votre puissance. Je viens vous sortir de tout endroit où on vous a déposé, on vous a laissé pour mort. Tout lit, tout cercueil qu'on a creusé avec la tombe pour te mettre dedans, je déclare que tu sors de là au nom de Jésus. J'enlève les habits blancs qu'on a mis sur toi pour t'enterrer au nom de Jésus. Tu rêves que tu te vois dans la tombe, tu rêves que tu te vois dans le trou. Je te sors de ce trou, selon Luc 4, verset 18. Je te sors de ce trou au nom puissant de Jésus. Je déclare que la combattante, le guerrier, le lion qui est à l'intérieur de toi se réveille au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que tu ne manqueras pas. Je viens augmenter tes finances. Je viens augmenter tes finances. Je déclare que tu sors du trou. Je déclare que tu reçois la force pour jeûner. Tu reçois la force pour te concentrer sur ta mission de vie. Tu reçois la force pour te concentrer sur ton travail spirituel au nom de Jésus. Papa Yahweh, je déclare que tes enfants qui m'écoutent ne se dérouteront pas du droit chemin. Seigneur, je viens les enlever de tout découragement. Je déclare que l'ennemi n'aura pas d'emprise sur eux. Je déclare, Père Saint, qu'ils sont restaurés. Je déclare l'ouverture de leur business. Ce business que ça fait des mois que tu as pris le local. Toute personne qui a combattu l'ouverture de tes business, je déclare que dans ce mois d'août qui est en train de venir, tu vas ouvrir trois locaux en même temps au nom de Jésus. Je déclare que dans ce mois d'août, tu vas voyager pour acheter ta marchandise au nom de Jésus. Je viens enlever toute personne autour de toi qui est là pour voler ton argent, pour sucer ton argent. J'expose les escrocs, tout escroc autour de toi, toute amitié, par intérêt, les personnes qui sucent ton énergie, je les chasse autour de toi au nom de Jésus. Quand ces personnes vont partir, tu ne cours plus après elles au nom de Jésus. Tu ne cours plus après elles pour qu'elles te fassent encore du mal au nom de Jésus. J'ouvre tes yeux pour que tu vois leur vrai visage. Tu vois leur vrai visage. Tout voyage que tu as prévu, reçois ton visa. Reçois le visa de tes enfants. Je déclare que tu ne vas pas te déplacer pour laisser tes enfants pour qu'ils souffrent. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde de voyager avec les enfants. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je déclare que cette femme qui m'écoute prend soin d'elle maintenant. Je déclare que cette femme qui m'écoute prend soin d'elle, Seigneur. Je déclare qu'elle n'est plus découragée. Je déclare, Seigneur, qu'elle est restaurée. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je déclare que ta fille, elle va toujours marcher selon les voies de l'Éternel, Papa Yahweh. J'enlève la honte sur elle. Toute personne qui a voulu t'humilier, je déclare que tu n'auras plus honte au nom de Jésus. Je viens t'ouvrir. Je te donne la voiture que tu cherches depuis longtemps. Reçois ta voiture. Reçois ton bébé. Que tu conçoives. J'appelle le père de tes enfants. J'appelle cet homme qui sera à tes côtés. J'appelle cet homme qui va t'honorer comme reine. J'appelle cette femme qui va t'honorer comme roi. Cette femme avec qui tu vas marcher dans les principes divins. Au nom de Jésus. Si tu étais affaibli, je te soulève maintenant. Je te relève de cette chute. Je déclare que tu sors du trou là où on t'a déposé au nom de Jésus. Toute personne qui a vu tu te lever derrière spirituellement et la personne est venue t'attaquer. Tout serpent qui t'a attaqué la nuit, je déclare que tu as la victoire sur ce serpent. Si vous avez l'huile, tout le poison de nuit là, il faut lécher ça. Lécher le remède là de temps en temps. Tout dépôt de glaire dans ton estomac, dans ta gorge, dans ton oesophage, j'enlève maintenant pendant que tu es en train d'écouter cette prière. J'ouvre ta bouche pour que tu parles. Que ta bouche s'étende, que ta voix s'étende au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je te fortifie, je te purifie. Je déclare la santé sur toi. Je déclare que tu ne manqueras pas. Je déclare que tu es fortifié par la puissance divine. Partout où tu vas aller, tes choses vont marcher, tes activités vont marcher. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je déclare sur toi la force. Je déclare que le Seigneur lui-même te restaure. You are Yahweh. Hey, hey, hey. You are Yahweh. Le Seigneur lui-même descend aujourd'hui. Je déclare que ton moment d'adoration s'intensifie. Le Seigneur te révèle pourquoi il t'a créé. Tu découvres ta mission de vie. Et cette mission de vie, quand tu la découvres, je déclare que tu te mets en action pour l'accomplir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare sur chacun de tes enfants qu'ils ne manqueront pas. Papa Yahweh, je déclare que les portes sont ouvertes pour eux. Seigneur, je déclare qu'ils ne manqueront pas. J'appelle leurs aides de destinée. Seigneur, je déclare sur chaque personne qui écoute ce message, Père, qu'ils sont fortifiés. J'enlève le découragement, Seigneur. Je déclare que tout ce qui était mis par l'ennemi pour vous faire tomber, le Seigneur l'utilise pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus, je déclare que dans cette journée, partout où vous allez aller, vous aurez la faveur. J'ouvre vos portes. Je déclare la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Au nom puissant de Jésus, parce que vous marchez selon le Seigneur, vous ne vous détournerez ni à gauche ni à droite de ses commandements. Je déclare que vous recevez la faveur, la grâce pour obéir au Seigneur, la grâce pour obéir au Seigneur. Vous n'allez pas vous dérouter de ce que le Seigneur a prévu pour vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.